Hey les amis, c'est Letko, bienvenue dans cette nouvelle vidéo sur la présentation et la vocation sur le troisième step JAP World Juice 97. Donc j'espère que vous allez bien. Ça fait longtemps que je n'ai pas fait de vidéo, je suis désolé. Voilà, vie de famille, etc. À l'heure où je te fais la vidéo, on est là, on est mardi, 1h du matin. Donc on va aller très 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 vite. On va essayer de résumer très rapidement. Bon, j'ai vu l'avis de mon ami Atsushi, voilà, donc très sympa. J'ai pas encore vu la vidéo de Mitch, j'ai vu quelques pulls sur Twitter, d'ailleurs Kira qui a eu un très bon pull, dédicace à lui. Et voilou, hop. Donc si vous voyez mon doigt là, c'est que la caméra est en bas à gauche, donc toi-même tu sais, elle est bas, et maintenant mon nouveau téléphone, etc. Allez, hop. Parce que je le fais plus avec OBS, parce qu'OBS prend trop de ressources sur mon PC, c'est la merde. Donc, normalement, on a 5 nouveaux joueurs. Il y a 3 joueurs gratuits, Yuga, Sawada et Sorimachi. Donc, il faut les faire. Comme ça, t'as les 22 tickets, je crois. Je sais plus combien de tickets R+. D'ailleurs, on va craquer des tickets R+ pour voir tout ça. Donc, alors, les nouveaux joueurs, alors si je dis, donc le nouveau Misaki rouge qui a le passif, comme j'ai pu m'en. En fait, moi j'avais tout deviné, j'avais deviné la couleur du joueur et le passif, donc super remplaçant comme le vert. Il est là, donc lui il n'a pas de potentiel, hein. Donc lui c'est voilà, UR max pour l'instant. 905 d'endurance, je vais m'occuper que des stats utiles, hein. Le reste, voilà, on abrège. 20 645 en attaque, 7005 en dribble, très très fort en dribble, 6004 en tir, bon sympa, et 6601 en passe, donc c'est très très bien, donc très très bon milieu offensif, il est que milieu offensif et pas milieu def. 14 178 en défense, donc le reste ça passe, à part le contre, donc le contre on s'en fout. Mais l'interception, ouais, c'est un peu très sympa pour intercepter les comment dire, bah les passes quoi. Et en plus, je crois que j'ai plusieurs Misaki interception AX, donc si je le drop, je le mets direct. 16 909 en physique, à part la puissance, très fort en technicité. Et Balba, très bon. Tu peux peut-être mettre une reprise, quoi. Donc il donne à tous les Japs rouges 17%. Donc pour une type full Jap rouge, il est indispensable. Je cherche pas à comprendre, il est indispensable. Passe S 220, tir flash avec. Alors il te faut Yuga, donc il va te falloir un Yuga rouge. Il va te falloir le Tsubasa rouge. Donc il te faut le Tsubasa rouge très fort. Tu as le Nankatsu. Que j'ai le potentiel, ou sinon tu as le World Cup 2018 force que j'avais essayé de pull que j'ai pas réussi à avoir, et le dribble magnifique 215, le passif 30% quand il rentre dans un match, donc c'est énorme, ça c'est assez fort, c'est très très fort. Donc comme c'est dans le manga, Misaki rentre mais se blesse, et d'ailleurs c'est en sortant du terrain que Naturezza lui rentre remplacer, rentre sur le terrain, quoi, tout simplement, que Roberto décide de faire rentrer. Donc très très fort le Misaki pour ma team rouge, lui il me faut lui, il me faut le comment s'appelle, le Wakashimazu. Le Matsuyama pour une team bleue qui est très sympatoche, on va voir ça tout de suite, hop. Alors lui par contre il a un potentiel, donc on va voir directement la carte du potentiel, hein. Je vais pas voir l'autre. Carte du potentiel 1152, très très fort, ouais, très très fort. Ouais. Donc attaque, c'est assez équilibré, 5000, 5005, voilà. Mais là où c'est intéressant, vu qu'il est milieu défensif, c'est 7797 en tacle, c'est peut-être le meilleur milieu def tacleur. Je parle pas du meilleur tacleur du jeu. Je pense que le meilleur tacleur du jeu, c'est maintenant le Galvan Dreamco. Vu que je l'ai affronté dernièrement sur Dreamfest, sur le PVP, il est ouf, hein. Le Galvan, j'ai mis une frappe. Mon frère a vu le match en même temps. Il a vu le match en spectateur contre un mec. Pour essayer d'avoir le Roberto. Le mec, j'ai mis une frappe. Avec, je sais plus avec qui, en S5. Le mec, il me fait un tacle. Le tacle a pris la frappe. Du Galvan Dreamco. C'est n'importe quoi.
Donc voilà. Et comment dire? Et donc contre 5005 et interception 5793. On aurait voulu une interception un petit peu plus forte. Physique 16787. Rapidité sympa, le reste c'est normal. Donc très très bon joueur. Lui aussi il a le même passif que le Misaki qu'on vient de voir. Donc lui par contre je sais plus, il prend 20% au lieu de 30. Donc le Misaki prend 30, lui prend 20, ce qui est assez balèze. Et il donne à tous les Japs. Donc il faut au moins 8 Japs bleus et il donne 15%. Donc directement dans une team bleue, dans une team Jap bleu. Voire un petit peu mélangé quoi, un petit peu peut-être une Jap Sudam, mais il vous faut 8, au moins 8 Jap. Voilà. Donc il attaque le S460 très 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 très, très comment dire qui est très gourmand en stam. Bon, vous avez vu, vous avez 1100 quand vous l'avez éveillé en potentiel. Voilà. Donc essayez de bon, peut-être essayer d'avoir un tacle un peu moins gourmand, un tacle A. Je crois qu'il y a le tacle de l'aigle A. Ou je sais pas si ça existe, un tacle AIX. Je sais pas. Passe de l'aigle, sympa, 175. Et tir de l'aigle qui est speed distance. On a vu que qu'il n'était pas extrêmement fort en tir. Peut-être en fin de rencontre. Si tu veux, si tu es marqué de loin et que le goal adverse est mort. Là oui, mais sinon non. Il faut lui mettre une interception. Voilà, ouais, une interception, un contre, même pas en vrai. Ou un dribble. Et encore, je sais même pas. Non, non, ce qui serait sympa, peut-être, c'est récupérer un 1-2 avalanche. Donc peut-être le 1-2 avalanche peut être sympa. On va voir les compétences potentielles. Ne subit pas vraiment les effets de neige, ça c'est normal. Il remplit la cage de pleine puissance. 10%, ça c'est pas mal. Et quand il y a Sano, Tsubasa et Aoi, il donne 3% à ces joueurs-là. Donc quand il est là, il donne 3% à ces joueurs-là. Quand tu vois le Ishizaki potentiel, lui il donne 5% à Tsubasa. Donc lui, ça fait, si tu mets lui et Ishizaki, 8% pour Tsubasa. Et tueur de Suédois, typiquement dans le manga. Et courage, tant qu'il lui reste de l'endurance, il peut lancer ses spé. Donc très très fort le Matsuema, très très fort. Faut vraiment aller, par contre il faut l'éveiller, il faut vraiment l'éveiller si tu veux qu'il soit jouable. Alors qu'est-ce qu'on a? Bah, le Wakashimazu, le premier Wakashimazu rouge fort, parce que ouais, il n'y avait que du bleu ou du bleu. Voilà. Donc on avait le World Cup 2007 qui était très 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 fort à l'époque. Le vert un petit peu moins. Et le Dreamfest, quoi. Bah, de toute façon, les deux Wakashimazu qui étaient très forts avant celui-là, ils étaient bleus. Maintenant, voilà, maintenant, et par contre, celui-là il est rouge et celui-là il est très, 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 très fort. 10 021 en punch, le plus gros puncher du jeu et qui a dépassé la barre des 5 chiffres. Voilà, 915 en endurance, par contre, donc là c'est un petit peu, comment dire, c'est un petit peu juste, mais son passif va peut-être rattraper cette petite anomalie, enfin, pas anomalie, mais ce paramètre. Arrêt 8483, donc c'est sympa. Il est assez bon en rapidité, en puissance 5008 et 5007 en technicité. Très très bon gardien, puncher. Et lui, il donne à tous les rouges, tous les rouges Jap, comme le Misaki. Donc si tu as lui et le Misaki déjà, tu peux avoir 22%. Et tu rajoutes encore 15% si tu as un autre, je sais plus, moi je connais pas toujours par cœur, mais si tu as un Jap, soit Jap, soit Jab rouge, là tu peux donner jusqu'à 45%, voire même 47%. Si je compte bien. Ok. Et lui, comme je vous ai dit, à chaque fois que vous allez faire un arrêt, votre barre de jauge normalement se remplit normalement, mais lui, ça va rajouter encore 25% de plus. Donc c'est-à-dire que ceux qui vont spammer les tirs, sans le savoir, enfin s'ils vont le savoir au bout d'un moment, mais la jauge, elle va se remplir très très vite et vous allez pouvoir mettre le full power peut-être 3 fois dans un match, voire peut-être même 4 fois, peut-être. Peut-être 4 fois. Si vous êtes d'autres joueurs qui ont le même passif, la barre de full power va se remplir extrêmement vite. Hein. Et là, ça peut être, là, c'est pas mal. Ça peut être pas mal comme, comme compétence passive.
Coup de tranchant défensif critique 280, voilà, donc comme le Dream Fest qui est relou, voilà, il peut le faire plein de fois, donc c'est incroyable. Blocage solide 330 et super coup de poing à 140 pour les tirs qui sont pas très puissants, donc ça peut faire le café. Non, non, c'est vraiment lui que j'aimerais bien avoir en tant que gardien remplaçant rouge, voire peut-être même qu'il pourrait même être titulaire face à mon Espadas. Le Sawada, donc le Sawada, j'aime pas la carte elle est très moche je trouve, mais il est extrêmement fort, il est très très fort, il ressemble énormément, comme dirait mon ami Atsushi, et là je le rejoins, il ressemble beaucoup à Pierre World Cup 2018 2 étoiles, parce que lui, s'il reste dans le rond central du terrain, ses stats sont boostés. Par contre, attends. Ah non, 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 il y a un problème. Je me suis trompé de Sawada. Ah, il est là. Je me suis trompé de Sawada. Je vois que le Sawada, il a des stats très très bas. C'est 642. Je fais, oh non, il y a un problème. Il y a un problème. Voilà. 1035 d'endurance. Donc voilà. 20 133. L'un des meilleurs passeurs du jeu. 8156. C'est incroyable. C'est. Wow. Et en technicité, il a 7178. Donc là aussi, ça va ensemble. Donc logique, logique, logique. Franchement, le reste. Bon, c'est sympa, voilà, bon, interception 5002, il a double poste, tacleur, bon, très faible, interception 5002, si vous tombez contre un gros passeur, bah, il intercepte normalement rien, à part, je sais pas, mais non, je crois qu'il a l'interception automatique, 100%, apparemment, d'après Atsushi, donc, lui, il donne à tous les jappes, 12%. N'importe quelle couleur. Si t'as, lui, c'est parfait pour une jappe Rainbow. Lui, il n'y a pas de souci. Il donne 12% à tous les japs. Donc, ça peut être sympa. Voilà, 12%, c'est pas énorme, mais ça fait le café. Et comme je vous ai dit, maître de la zone centrale, c'est-à-dire que s'il reste au milieu de terrain, il a 15% de supplémentaire sur les passes, interceptions, etc. Donc, il faut faire les calculs. Je sais que mon ami Mitch, l'ami Xeleco fait les tableaux. Donc, c'est à vous de voir avec eux. Si vous voulez plus de précision là-dessus. Passe solide 200, passe contrôle subtil pardon 210, interception rapide et dribble. Donc à part ça, qu'est-ce que tu peux lui mettre de plus? Pas grand-chose en fait. Peut-être un 1-2 avec Yuga. C'est un 1-2 avec Yuga peut-être, mais là comme ça je vois pas. À vous de me dire dans les commentaires qu'est-ce que vous lui mettrez à ce super. Attendez, 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 attendez de coup. Tu vas trop vite. Je sais que tu veux vite poule, mais tranquille. Résistance à la pluie, donc ça c'est bien pour certains éveils du potentiel. Technique, alors il donne à tous les. Alors attendez, voilà, à tous les Yuga verts 5%. Donc le Yuga World Cup 2017, ouais, il est vert. Le nouveau Yuga World Youth 97, donc lui c'est. Voilà, il vous faut lui si vous voulez vraiment enfin, avoir une jappe verte forte. Donc, c'est-à-dire qu'il va booster 5% encore le Yuga. Déjà qu'il est très très fort avec son passif de boost de l'intensité. C'est n'importe quoi. Il donne à tous les japs 1% de plus. Donc, tout à l'heure, on a vu 12. En vrai, ça va être 13. Voilà. Et il a une interception automatique qui ne vous prend aucune endurance dans la zone centrale. C'est très très fort. Mais j'ai pas la carte. La carte est dégueulasse. J'aurais voulu une autre carte. Même la carte du gratuit est plus belle. Même le rouge. Le rouge ou le bleu, c'est plus belle, je trouve. Mais c'est pas grave. D'ailleurs, bientôt devrait sortir le nouveau Sawada avec la tête, avec la coupe la coupe du ballon. Donc je pense qu'on a vu. Attends. Tac, tac, tac. Il manque qui? Ils sont 5 normalement. Attends. On a vu le Misaki, le Matsuyama, le Wakashimazu, le Sawada. Et le dernier, c'est qui? C'est Sorimachi? Non, c'est pas Sorimachi. Non, c'est pas Sorimachi. Attends. C'est Sorimachi le dernier? Attends. Ah non, c'est le Aoi. Aoi. Shingo. Shingo. Shingo, ah oui. Donc, le Shingo très fort aussi.
J'aime bien la carte qui ressemble beaucoup à la carte du Dreamfest. Hop, on va voir. Donc lui, il a pas de potentiel, on va dire heureusement. Par contre, il a 1100 sans potentiel, c'est très 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 fort. C'est l'un des rares World Use 87 d'avoir une endurance qui dépasse les 1000. Sans potentiel, sans rien du tout. Donc très fort, attaque en milieu offensif. 20 112, donc 8 142 en frappe, c'est très très fort. En plus, aspect, elle est magnifique. Vous avez dû l'avoir à l'intro de la vidéo. 6000 en dribble, très fort aussi. 6008 en passe, sympa, mais c'est pas un truc de ouf. Défense, voilà, c'est pas avec lui que tu vas essayer de défendre. Peut-être l'interception, 5003, donc tu mets l'interception AIX. Ça peut faire le café si tu tombes sur un passeur pas très fort. Et 16 388 en physique, sympa. C'est assez équilibré dans l'ensemble. Donc lui a tous les jappes vers 15%. Donc lui, il va parfaitement avec le Sawada que je viens de te montrer et le Yuga. Et plus il y a de jappes, et plus il prend 15%. Donc ouais, faut voir. Déjà, il te faut les trois que je viens de te dire, plus encore d'autres jappes. Il te faut encore 5 jappes verts. Et là, après, tu peux mettre 2-3 jappes d'autres couleurs, c'est pas un problème. Et là, tu as 15% supplémentaire. Et là, ça peut être très très fort. 435, ça, son tir feinte cyclone angle droit. C'est celle qui fait comme il s'appelle, à Gentile dans World Use. Très 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 belle technique. Feinte tornade à l'angle droit aussi. 265 et passe jungle qui est assez belle, j'aime bien. Donc lui, il te faut. Bon, il a un tir. Donc il te faut une interception et ouais, une interception et un. Ouais, bah, moi il a déjà un dribble. Une interception et peut-être un tacle. Ouais, peut-être un. Ouais, un tacle. Un tacle. Interception et tacle. Ouais. Interception et tacle, après c'est bon, t'es bien. Donc t'as 3 spé, une spé de dribble, une spé de tir, une spé de passe. Il te faut un tacle et une interception. Et t'as les 5 spé. Donc voilà, parfait. Donc voilà comment il faudrait peut-être monter ce petit Shingo Aoi. Je te fais pas montrer les joueurs gratuits. De toute façon, il faut les faire hein, si tu veux avoir les récompenses. D'ailleurs, je vais vous montrer les récompenses. Où est-ce que j'en suis? Je viens de finir le Yuga. Donc, le Yuga, je l'ai terminé. Donc, j'ai tout terminé. L'éveil du potentiel et tout et tout. Donc, il me reste le Sawada. Et il me reste le Sorimachi. Bon, Sorimachi, j'ai rien contre lui. Mais bon, c'est pas un perso qui me. Au début, je croyais que c'était Misaki. Parce qu'ils se ressemblent énormément, franchement, Takahashi, je l'aime beaucoup, mais les persos se ressemblent beaucoup, beaucoup, beaucoup. Donc voilà. Ok, hop, on va aller dans recruter. Donc j'ai des tickets R+, j'ai récupéré 3 tickets SSR, donc 2 tickets SSR qu'on a donné gratuitement comme ça, plus le ticket League. Voilà, le ticket League que j'ai récupéré. Hop. Donc si tu m'as pas suivi sur les réseaux sociaux, j'ai réussi à avoir le Nita sur la multi à 30. Donc après je me suis arrêté là, j'ai dit bon vas-y j'arrête. Il y a le step brésilien qui arrive, donc là 270 plus 270 ça nous fait 540, je suis à 527 donc il va me manquer 13 Dream Ball, mais bon avec les Dream Ball qui vont arriver, normalement demain on va recevoir le maillot blanc, normalement. Il y a plus d'autres Dream Ball, 22 Dream Ball, plus les Dream Ball hebdomadaire, etc., etc. Franchement, faut dire la vérité, Club à cet anniversaire-là, ils nous ont grave, grave, grave gâtés. Et faut dire la vérité, c'est une dinguerie. Franchement, c'est une dinguerie. Il y a le mixeur avec les nouveaux joueurs. Donc, pour ceux qui ont fait le mixeur, on aura peut-être dû attendre. On aura peut-être dû attendre un petit peu. Peut-être qu'il y aura aussi le nouveau mixeur avec les Brésiliens dedans et tout. Donc, attendez un petit peu. Si vous pouvez attendre, attendez un petit peu vers la fin de l'anniversaire. Parce que vous avez vu, le mixeur dure 12 jours. Donc attendez les 2 derniers jours pour que vous puissiez avoir la chance d'avoir des nouveaux joueurs. Voilà. Et là, on a les 3 tickets SSR garantis. Que je vais peut-être craquer. Là, on va craquer le ticket SR+ qu'on a chaque jour qu'on nous donne. J'ai rien droppé pour l'instant. Donc, confetti. Attends. Pas de flamme. Non. Et c'est ça. Ok, le Tachibana. Ok, bon, allez, c'est parti. J'ai fait une multi R+.
J'ai fait le Multi R Plus. Il me manquait un RJ7, donc j'ai pris le RJ7R, là, le Yoshikawa, je crois que ça s'appelle comme ça. Et voilà, c'est tout. Allez, c'est parti. On va essayer d'avoir un peu de luck. Je sais pas si les nouveaux sont dedans ou pas. Ah, les flammes, ça sent bon. Peut-être un SSR. Vous avez vu la feinte? Vous avez vu la feinte, les flammes? Attends, il y a tout. En fait, il y a tout. Mais sauf les waifus, en fait. Il y a tout, il y a même la waifu à la fin. Ok. Allez, la feinte, on la connaît. J'ai déjà eu cette feinte-là. Et j'ai vu quelqu'un en vidéo avoir cette feinte. On va voir si c'est encore une feinte. Non, là, c'est bon. Peut-être deux. Oui, monsieur, deux SSR sur la multi R+, du R+. Attention, attention, pas de doublon. Oh, oh putain, ça va être R+. Oh, je peux pas crier. Il y a mes enfants qui dorment. Ah, j'ai larmes aux yeux. Merci. Clan, merci. Oh, bordel, enfin, j'attendais mon premier défenseur rouge fort, très très fort. Désolé pour les gros mots, mais. Oh là là. Je m'en fiche, c'est pas grave. Doublon, je m'en fous. Qu'est-ce qu'il donne d'ailleurs ce Matsuyama là? Putain, je suis super content. S du de l'aigle, d'accord. Mais je l'ai déjà, je crois. Puis avec les remixeurs. Ah, il faut que je le bloque. Il faut que je le bloque. Oh bordel. Oh, je suis content. Oh putain, merci mon Dieu. Bon, là, rien du tout. Oh putain, j'ai bien fait de farmer les joueurs potentiels. Oh putain. Ah, je suis sur le cul, les amis. Ah, je suis sur le cul. Oh bordel. Oh bordel. Mais pour revenir au step-up Brésil. Jap. Attends, il faut que je le bloque, là, Kai. On sait jamais, parce que là, j'ai pas beaucoup de batterie. Je crois qu'il me reste 30% de batterie. Ah, il faut que je le bloque. Oh bordel de merde. Ah, je suis tellement heureux. Ah, je suis tellement heureux. Allez, hop, clac, clac. Direct, direct. Oh, bordel, je suis heureux. Je suis très heureux. Oh, putain. Oh, bordel. Il va rentrer dans ma team rouge. Lui, il va faire mal. Ah, il va faire mal direct. Franchement, merci. Merci, club. Donc, je vous ai pas aussi fait la vidéo. Des Uruguayens. Donc je vous invite à regarder mes amis youtubeurs, Bejito, Atsushi, Nietzsche, Xekafe de Kenshiro, Sensei, tous ceux qui ont présenté les joueurs. Je vous invite à aller voir les vidéos. Après, attention, chacun a ses avis différents. Attention. Donc il y en a, ils vont aimer le joueur, il y en a, ils vont pas l'aimer. C'est ça qui est bien. Ça qui est bien sur YouTube, c'est ça. Donc ce step-up là, il est sympa, mais c'est pas le plus fou. C'est pas le plus fou. Voilà, hop. Donc en tout cas, ils sont beaux les maillots. Les maillots sont magnifiques. Et ben, c'est parti, on va voir si la luck est là. En tout cas, les 5 sont bons. Franchement, les 5 sont bons. Et après, moi, c'est du rouge qu'on veut. Hein. C'est du rouge qu'on veut. Donc voilà. Misaki et Wakashimazu. Ce serait vraiment le top. Bah c'est bon, on peut y aller. Hop. Allez, on va voir si on a encore un peu de luck. Ouh là là, ça sent bon ça. Pas bon du tout. Non. Non. Celle-là, elle est pour club. Celle-là est pour club. Bon, on va pas avoir de à chaque fois d'interception rapide pour le. Ah bah je vais le donner au Pharan UR que j'ai monté. Je lui donnerai. Je commence à bien aimer les Thaïlandais. Alors on peut sauter. Allez.
On va voir si là c'est celle de 40. On va avoir plus de chance. Ouf, ça sent bon. Ça sent très très bon. L'équipe au complète. Peut-être une. Une. Dommage. On en voulait deux. Allez, quelqu'un que j'ai pas. Un new. Allez, vers la fin. Allez, un new. Ah, je l'avais pas, mais je le voulais pas. Ah, je le voulais pas, bordel. Je le voulais pas. Tiens, dragon. Ah, putain. Bon, ma mixeur. Il va aller au mixeur. Ok. Je peux rien prendre, les gars. Attends, j'ai. D'accord. Attends. Qu'est-ce qu'il donne déjà? Qu'est-ce que je peux prendre pour mon Dream Fest? Tir combiné avec. Je sais pas, avec Victorien. Non, c'est avec. D'accord. Non, je peux rien faire avec lui. Non, mixeur. Je peux rien récupérer. Et ça sert à 50%. On va voir si on va être dans le bon côté des 50%, dans le mauvais. Ça a l'air de sentir très très bon. Ça sent très très bon. Les waifus, magnifiques. Un seul. Pour l'instant, il n'est pas trop mal. 3 multi 2 SSR. Allez. Un nous. Oui! Le Misaki qui tombe sur la troisième. Oui, ça c'est bon ça. C'est très très bon ça. Il est magnifique en plus le Misaki. C'est très très bon ça. Bien évidemment pas de doublon pour les prochaines multi. Le bonus, la petite Rimbo qui fait toujours plaisir. Allez, le SSR garanti. Allez, tu nous donnes. Franchement, si me voit caché Bazu, je m'arrête. Je m'en fous, je m'arrête. Donc là, aucune surprise. Peut-être un ou deux. Là, ce serait bien deux. Pour l'instant, il n'est pas trop mal là. Ah, mais pas toi aussi. On sait très bien quand toi t'es là, on n'en a pas deux. Allez, le Wakashimazu. Bon, le Sawada. Je crache pas dessus pour ma team verte. C'est un new. Il voulait pas de doublon. Très bien. Avec l'aspect S5. Non, c'est bien. En plus, éveille du potentiel. Il faut le monter. Lui, il faut le monter, éveille du potentiel direct. Ok. Très bien. Ok. Alors, on veut le Wakashimazu. Même si j'ai des très très bons gardiens. Attention, hein, j'ai des gros gardiens. J'ai des. Bah, voilà, j'ai eu le Genzo doublon du premier step. J'ai le Dreamfest Espadas. En gardien, je suis pas mal. Hein, je suis pas à l'agonie. Hein. Mais. Ah, faut rentrer, malheureusement. Enfin, mon ami Totoma a eu le. Et le Roberto, donc GG à Totoma qui est le Roberto. Donc la prochaine multi avec le ballon noir, je m'attends pas, je m'attends rien du tout. Généralement, personne drop dans ce. Personne drop. Allez, oh, les souvenirs bleus. Attends, allez, on peut sauter. Ok, rien du tout. Allez, on espère vraiment là maintenant le Ken Wakashimazu, le gardien karatéka. Le ballon SSR, j'en ai beaucoup maintenant des ballons SSR. J'en ai, je sais plus, au moins 7 ou 8 là, comme ça. Bon, pour l'instant, je sais pas à qui les mettre, mais je réfléchis. Allez, la dernière multi. Allez, le Wakashimazu, ça serait vraiment bien. Ça serait vraiment bien. On peut en avoir même deux. Allez. Ah, ça sera un seul, je crois. Ça va être un seul. Allez, le roi caché, Mathieu. Pas de doublon, je t'en supplie. Le Matsuyama, c'est pas un doublon. C'est très bien, le Matsuyama. C'est très très bien. Alors, tacle et tout. Pour une team bleue, Jap, c'est très 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 bien. Très très bien. Plus élevé du potentiel aussi. Non, non, très bien. Je suis voilà, content. J'ai dit oui, je sais, il reste plus que 20% de batterie. Mais en tout cas, voilà, c'est. Non, je suis content. Bon, j'ai pas eu le Wakashimazu. Le Wakashimazu, je peux peut-être l'avoir sur le petit tiers plus. Vous vous rappelez, le Hakai, j'étais très déçu de ne pas l'avoir. Et ben, je l'ai eu sur le petit tiers plus. Donc, on va attendre. Si je l'ai pas, tant pis, c'est pas grave, c'est qu'un jeu.
C'est comme ça. Donc 257 Dream Ball il me reste. Donc pour le step-up brésilien, je l'attends avec impatience. On va craquer les tickets SSR. Non, je suis content. Je suis content. Je suis plutôt content. De toute façon, j'ai eu le Misaki, j'ai eu le Hakai, franchement. Voilà. Le reste, c'est que du bonus. Le Hakai, je le voulais tellement. C'est que du bonus. C'est que du bonus maintenant. Ok. Alors, je vais pas faire n'importe quoi. Donc, le mixeur, je pense que je vais faire un mixeur, mais pas maintenant. On va voir ce qu'on a dans les tickets. En tout cas, le Inno, il va être directement au mixeur. Direct. Direct. Allez. Ouais, c'est l'animation. Allez, les tickets SSR. Qu'est-ce qu'on a? Oh! Le boulage, là, fait pas le tacleur. Après, je sais pas qu'est-ce que je fais avec lui. Bah, vu que j'ai eu le nouveau boulag bleu aussi qui est tacleur. Content. Non, 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 très content. C'est pas un doublon. On est très content. Je peux peut-être lui mettre le contre. Je peux peut-être lui mettre le contre. Le contre, il a 859. Ouais, c'est léger. Mais pour une team verte, c'est bien. Pour une team verte, c'est pas mal. On va pas cracher dessus. C'est pas un doublon. C'est très bien. Je le garde. Il n'y a pas de souci là-dessus. Pas de mixeur pour toi, Bimbounat, pour l'instant. J'attends juste le fest. J'attends juste le fest. Et le fest, je verrai à ce moment-là qu'est-ce que je fais. Allez, deuxième SSR, deuxième ticket. En tout cas, la vidéo est très plaisante. Elle est très plaisante, la vidéo. Allez. Ah, je le voulais pas, lui. Bon, je sais quand il est fort, hein, 1020, la carte n'est pas très jolie, je trouve. C'est celui qui donne le tacle. Voilà, celui, c'est celui qui donne le tacle. J'ai un Dream Fest doublon. Je peux peut-être lui mettre le tir et je crois qu'il y a la reprise S. Faut voir, faut voir. Pour l'instant, je le jette pas. Il a un bon passif. Donc, ça veut dire que quand il est en full power, déjà, quand full power, tu gagnes des boosts. Et lui, il gagne 15% supplémentaire. Donc, ça peut faire le café. Ça peut faire le café, ouais. Par contre, il va falloir un pierre bleu. Bah en plus, je l'ai le pierre bleu pour faire l'attaque de la tour Eiffel. Tire-boulet de canon A1. Comme je vous ai dit, j'ai le fest en doublon. Donc, je peux peut-être lui donner la frappe du fest. Faut voir, faut voir. Pour l'instant, pas de doublon, je suis content. Non, non, je suis content, je suis content. Même si, bon, lui, il donne que le tacle. Mais en stade pur, il n'est pas trop mal. Allez, dernier ticket SSR. On est plutôt content là. Pour l'instant, sur les tickets SSR, bien évidemment, on veut les derniers joueurs, hein, les Vignes Bleues, le Salinas Vert, le Roberto, le Santana Rouge, le dernier. Ah, doublon. Doublon, 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 doublon. Peut-être que je donnerai le. Vu que j'ai eu le bleu dernièrement, je vais peut-être prendre son tacle à lui, je vais mettre sur le bleu. Et j'en garde un. J'en ai. C'est mon triplon là. Là, je suis en triplon. Donc lui, je vais lui donner le tacle sur le bleu. Et l'autre que j'ai dans ma réserve, bah, j'attendrai d'avoir le Oeran Ramadan. Voilà. Le Oeran Ramadan. Donc voilà. Donc franchement, très content de mes poules. Voilà, donc dites-moi ce que vous en pensez dans les commentaires. N'hésitez pas à vous abonner à la chaîne si ce n'est pas encore fait. On essaie de refaire des vidéos. Voilà. C'est pas évident tous les jours. Gros pouce bleu des familles. Je compte sur vous. Pouce bleu. Aussi mon lien Utip si vous voulez me soutenir dans l'aventure. Il y a le compte Utip dans la description. Tu cliques, tu auras 2-3 vidéos, 2-3 pubs. Ça me rapporte 4 ou 5 centimes. Selon les pubs, et toi ça te coûte rien du tout. C'est toi juste à regarder les pubs et c'est tout. Voilà, donc aussi un petit mot sur le PVP. J'ai pas réussi à avoir le comment il s'appelle le Roberto. J'ai tout essayé, vraiment j'ai farmé le PVP. Les mecs ils ont rien lâché, ils ont joué leur vie. Les mecs ils ont clairement joué leur vie et c'était un peu n'importe quoi. C'était vraiment n'importe quoi. Mais c'est comme ça. Bon, moi je pense intimement qu'il va revenir. L'event va revenir et je pense qu'on va. C'est un peu comme le Time Attack, le Yuka Time Attack. Il est revenu 4 fois.
Peut-être qu'il va revenir pour ceux qui n'ont pas réussi à l'avoir. Donc ce qui serait cool, c'est que ceux qui l'ont déjà, le Roberto laisse la place à ceux qui ne l'ont pas, comme ça au moins on puisse tous l'avoir. Ce serait cool. Voilà les amis, je vous embrasse. Je vous dis à très 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 bientôt sur Captain Tsubasa Dream Team. Je vous kiffe. À la prochaine. Ciao.